Sequel? Thank you.
Thank you.
Thank you.
personne. De personne. Bon. C'est locté, toi. Pourquoi tu me cherches? Là, je viens de me faire engueuler, puis je pense bien que c'est à ta place, fait que tu me dois des explications. À ma place? Ben, comment ça? Les enveloppes. C'est quoi, cette histoire-là? Quelles enveloppes? Bon, je veux bien me faire engueuler à ta place, là. Je veux bien pas te stouler parce que je suis pas une stool, mais faudrait pas me prendre pour une épaisse non plus, hein? Fait que crache. Qu'est-ce que les enveloppes volées faisaient dans notre chambre? Les enveloppes? Cherche pas. C'est Louise qu'ils ont. Louise? Bon, arrête de répondre par des questions, là, on n'est pas à jouer au pardi, ici. Fait que des niaises, puis explique-toi. C'est toi qui as volé les enveloppes, c'est ça? Mais j'avais besoin d'argent pour payer Gabriel. Tous mes sous y passaient, j'avais pas le choix. Mais c'est fini maintenant, c'est du passé. Ça m'intéresse plus. Quand je pense que je t'ai rendue avolie. Hein, ça, ma fille, là. Pour une fille qui se pensait pas mal au-dessus de ses affaires, tu te calais pas mal vite, hein? Anyway, j'ai dit à Louise que j'allais y rembourser l'argent, fait que tu craches ton cash. Mais j'en ai pas, j'ai juste 20 piastres. Dois-tu dire à Louise? Je suis pas une stool, là, mais faudrait pas me prendre pour la Banque nationale non plus, hein. Fait que tu vas t'arranger pour en trouver du cash. Pourquoi tu y as pas dit? Ça te surprend, hein? Si tu payes, je me tais, mais fais ça vite. Comment je te l'ai dit tantôt, j'en ai pas d'argent. Tu dois bien avoir quelque chose à vendre. Cherche. Si tu trouves pas, c'est toi qui vas aller parler à Louise. Moi, je veux rien savoir, fait que... Vendre? Mais vendre quoi? Ça, ma fille, c'est pas de mes affaires. Cherche, c'est tout. C'est lui. Bon, ben moi, je vais lui parler. Non, 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 non. On va dans la chambre, OK? Venez-vous-en. T'as bu? Non. Faut qu'on parle. Où t'as eu les cornes pop, Stéphane? Stéphane, les corn pops! Tout ce que je veux, c'est des corn pops de Kellogg. Mes bébés font rien pour m'aider. Du calme. Je sais où chercher, j'ai pas besoin de Stéphane. Je les trouverai jamais. Oh, leur goût de maïs est si bon qu'on en veut toujours plus. Mais je dois garder bébé adoré qui refuse de me dire où sont les corn pops. Oh, tu vois, t'es un ange. Les corn pops de Kellogg, un élément important d'un petit déjeuner complet. Il y a rien comme mes corn pops. Depuis le temps, on en a fait du chemin. On en a pris des libertés. Tampon, Tampax. Pourquoi se refuser cette liberté? Chérie, as-tu pensé à ce qu'on allait faire cette année avec le réel? Sauver de l'impôt, d'accord, mais au taux d'intérêt actuel, ça donne quoi? Il n'y aurait pas moyen de faire un meilleur placement que ça. Peut-être qu'on a besoin d'un plan d'action. Tu sais, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Communiquez avec le groupe Investors dès aujourd'hui. J'avais envie d'essayer autre chose. Une Wonder Bar. Je gage qu'elle a le même goût que les autres. Erreur! Mais ça ferme pas bien. Allons voir mes notes finales, rien que des A, évidemment. J'ai rêvé. Mais quand je l'y vais avec une Wonder Bar, j'ai su que ça serait le coup de foudre. Non. Tiens, je me paye une autre Wonder Bar parce que c'est moi. Même si c'est pas le meilleur truc pour accrocher une fille. La Wonder Bar a le même goût que les autres. Erreur!
Juan Labelle, Nice and Easy, Montréal. J'aime avoir l'air naturel, que ce soit sur scène ou quand on me voit dans la rue. J'aime pas les changements dramatiques. Clic. Dramatique. C'est moi, c'est moi. Il y a plusieurs choix de couleurs avec Nice and Easy. C'est juste un petit changement. Ça prend peu de temps, puis c'est fait. À quelque part, ça donne plus de confiance, la santé, de l'éclat, plus de vitalité aux cheveux. Nice and Easy, 30 couleurs. Découvrez-vous. Un petit changement, mais qui apporte une grosse différence, finalement. Hey, tu peux pas prendre la radio réveil, il y a de besoin. Me l'a donné, c'est un cadeau que tu m'as fait. Je l'ai pas donné, je l'ai acheté parce qu'on avait besoin. Tu me l'as offert pour mon anniversaire, il est à moi de donner ses données. Tu m'avais su. Ah, c'est déjà assez difficile de même, là. Prends les dons de radio. Je te laisse les chaudrons. M'en fous. Prends tout ce que tu veux. Bon, là, là, on se calme. Je te laisse le lit. Dès que je me trouve un petit coin à moi, je reprends le divan. Prends tout, je te l'ai dit. Là, là, on essaie de faire des arrangements. Essaie de garder ton calme, parce que moi, je te garantis pas que je me mettrai pas à hurler dans deux minutes, OK? J'ai un vieux cadran, là. Ah, les radios, là. Merci pour les casseroles. Les bureaux dans la chambre sont à moi. Juste ça pour que ce soit clair, là. Les tables aussi. Les verres, les assiettes, les serviettes, bain. Et puis les draps. Non, 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 wow, wow. Les serviettes, c'est moi qui les ai payées. Chut, la moitié de mes bains vient de Barcelone. Regardez d'abord. Lampe aussi. Je te laisse le faire repasser. En échange, j'aimerais savoir la cassette de Madonna, celle de Luc de la Rochelière, les Beatles, puis Harmonium aussi. Correct. Les poissons, mais... Non, gros, les poissons, là, c'est moi qui les ai trouvés, puis c'est moi qui ai choisi leur nom, fait qu'ils restent ici. Oui, c'est moi qui en voulais. T'as même qu'à t'en acheter ailleurs, il n'y a pas de problème, moi, celui-là reste ici. J'ai écrit mon nom sur toutes mes affaires, tu pourras vérifier. Puis l'autre chose, c'est que... Chico, là, on va pas passer à la maison au complet, là. Je te le dis, prends ce que tu veux. Geneviève et Marc-André sont inquiets. Il paraît que t'as reçu une roche par la fenêtre. C'est quoi cette affaire-là? Rien. Il va falloir que tu trouves un moyen de payer le loyer aussi. Je le sais. Je peux t'en prêter. J'en ai un peu. Puis, je t'ai fait une liste de tous les magazines faits au Québec. T'as juste envoyé ton CV. Pourquoi tu fais ça, là? Je sais pas. Anyway. 400 piastres, ça fait-tu ton affaire?